Est-ce que la France de tes 35 ans, elle ressemble à celle de ton enfance Qu'est-ce qui te manque le plus Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui t'inquiète le plus Je suis inquiet de des conclusions scientifiques sur l'état de... du monde, la biodiversité, de l'écologie et du changement climatique en général. Et je suis inquiet de voir que des gens ne s'en inquiètent pas. Mmh. Je suis inquiet de voir que des gens qui par ailleurs croient aux moteurs thermiques, au doliprane à, et aux satellites, d'un coup ne croient plus à la science et à la, à la qualité scientifique des, des, des spécialistes quand il s'agit bah, du réchauffement climatique. C'est un choix un peu que j'ai toujours trouvé étrange quoi, de se dire euh, je crois à la science, mais là par contre, non, je pense que c'est exagéré. Je pense que l'homme n'a pas sa part dans le réchauffement climatique ou alors beaucoup moins mmh. que ce que l'on dit. Bon, c'est des spécialistes euh, qui parlent. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à m'incliner devant des, des consensus scientifiques. Je suis étonné qu'il qu y ait des résistances encore. J'ai l'impression qu'on va vers le fiasco en 2027. Ouh chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce petit monsieur, c'est Pierre Niné, Niné, Niné. Je ne connaissais pas, jamais vu, jamais entendu parler, ni même prononcer son nom. Bon, faut dire que nous allons très peu au cinéma, que d'une manière générale, pff, le cinéma français, surtout lorsqu'il est plébiscité par des, je sais pas quoi, des, des grands prix, des Césars. C'est un César qu'il a eu lui. Bon, euh, on évite, quoi. On se dit, tiens, ça sera sûrement de la bonne grosse propagande. Et d'ailleurs, bah, ce gars-là, il a le profil. Le profil du propagandiste euh, qui utilise euh, l'argument d'autorité, je suis un acteur, j'ai le César, je sais. Alors voilà, c'est vraiment le cas d'école, le cas typique de la génération des fragiles, inquiets et crédules, gogotisés par tous les baratins de la pleurniche et du pathos. Nous sommes dans la civilisation du pathos. C'est pathétique, c'est le cas de le dire. Et les gens euh, se réfèrent à des éléments de langage euh, et rien, rien, absolument rien de concret, de factuel, de scientifique. Il suffit qu'on l'aurait rabâché depuis des années sur tous les médias que. 1 plus 1, ça faisait 3. Et les voilà qui répètent. Mais je suis très inquiet pour ceux qui pensent que 1 plus 1, ça fait 2. Très, très inquiet. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Car nous savons bien que 1 plus 1, ça fait 3. Alors, il y avait une théorie, il y a quelque temps, là, qui passait sur l'Internet. Une théorie amusante qui disait que les chemtrails avait euh, bloqué un certain rayonnement du, sol, du soleil et ce rayonnement permettait aux gens eh euh, d'avoir une tournure d'esprit portée vers la réflexion, vers l'intelligence, vers la question, vers l'interrogation et que ce rayonnement étant bloqué, ben, euh, non, il n'y a plus de réflexion. On va finir par y croire, on va finir par croire que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que là, vraiment, mais au secours! Au secours! Trouvez-moi, s'il vous plaît, j'attends vos réponses en commentaire. Un seul, je ne vous en demande pas deux, ni trois, ni quatre, un argument scientifique. Quelque chose de fondé, sourcé, euh, carré, bordé, scientifique dans le baratin anxiogène qui pollue les cerveaux de toute une génération à commencer par ce petit Pierre Niné. Un seul. C'est que du pathos, que du pathos. Tout, absolument tout le narratif qui pollue l'esprit de ces gens-là n'est que chantage affectif, telle cette séquence, et ce gars euh, reporte sur nous le chantage affectif dont il a lui-même été l'objet. C'est pathétique, c'est le mot. On est dans un pathos pathétique. Voilà. Le gars est un acteur. Alors, personnellement, je n'ai jamais vu aucune de ses œuvres cinématographiques. Je, je doute d'en voir une un jour. Ça m'étonnerait. Hein. Je pense que même en streaming gratuit, j'ai vraiment autre chose à faire, autre conférence à regarder, euh, autre élévation d'âme. Euh, qui m'est proposé que de regarder un truc de propagande de ces petits acteurs français. Et lui, bah, il arrive avec son espèce d'argument d'intelligence et il se permet comme ça d'insulter euh, notre intelligence et notre bon sens. Là, son propos, durant deux minutes, c'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte au bon sens. Et alors, il y a... Euh, euh, toute une armée, un panel de spectateurs qui se disent oh, ⁇ Mais il a raison !⁇ Oh là là, sus au climato-sceptiques, sus surtout à ceux qui ne croient pas en la science. ⁇ À nous y voilà, croire en la science. Non mais vous êtes sérieux Croire en la science. Ben, Puisqu'on en est dans les faits que vous pourriez m'énumérer en commentaire, dites-moi un seul fait scientifique, j'entends de cette science contemporaine toute puissante qui détient les clés de notre pensée et de la conformité de notre pensée, c'est ça le drame, un seul sur lequel vous pouvez tous porter votre foi, une foi religieuse, c'est ça la foi, c'est religieux. Un seul truc prouvé, démontré, imparable, incritiquable, le sommet de l'intelligence humaine. Nous sommes enfin parvenus à l'élévation intellectuelle. Nous connaissons les causes de l'univers et nous, nous, les, nous vous les donnons comme ça pour vous. Donc dites-moi un seul de ces faits imparables la gravité mais c'est remis en question la gravité. La gravité, ça reste une théorie. La relativité, mais pareil. Alors je ne parle même pas de la physique quantique. C'est de la blague. La matière noire, ils en sont là maintenant à inventer une matière invisible qui pourrait tenir l'univers et en même temps euh, leurs équations imbéciles qui sans cela ne, ne tiendraient pas, s'effondreraient sur elles-mêmes dans un Big Crunch autant que euh, cet univers dont ils ne comprennent tous strictement rien. Euh, l'expansion de l'univers, mais quelle blague, quelle fumisterie. Vous allez croire dans l'expansion de l'univers L'âge de l'univers, 13, je ne sais combien de milliards d'années. Ah ben bah ils sont très embêtés avec leur nouveau télescope web qui prend des photos un petit peu plus loin que 13 milliards d'années. Ça pose problème et qui voit tout au fond là-bas bah des galaxies comme les nôtres, bien vieilles, qui auraient 13 milliards d'années elles-mêmes. Donc ça n'a mais aucun sens. Vous allez porter votre foi dans ces élucubrations scientifiques, dans ces constructions mentales de savants nihilistes. Sérieux. Ah, mais la liste est longue. Ah, la, la plus belle euh, de ces évolutions, de ces avancées scientifiques étant la génération spontanée de la vie à partir de la matière et qui euh, engendre bien entendu une nouvelle et belle théorie, celle de l'évolutionnisme, l'évolution intégrale. Ce qui est une chose. Impossible. Elle est impossible à tous les niveaux euh, mental possibles. Elle est impossible mathématiquement, statistiquement, philosophiquement, ontologiquement. Donc, elle est impossible. C'est impossible. Mais les gens, vous allez croire, porter votre foi dans ces fariboles. Je ne vais pas vous donner, moi, la réponse scientifique, parce que la seule vraie réponse scientifique, c'est que Dieu crée. Il n'y en a pas d'autre. Et je ne sais pas du tout comment. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Bon. Ah, mais des, des, des trucs, il y en a, la, les lois créatrices maintenant. Euh, comme ils, ils sont tous des scientistes nihilistes et qu'il faut porter foi dans leur faribole, il faut nous-mêmes être nihilistes. Les lois sont créatrices. Les lois qu'ils inventent eux-mêmes ont cette puissance créatrice. La loi originelle, lors du Big Bang, a cette puissance d'autogénération d'un univers tout entier et de tout ce qu'il contient. Et vous allez porter foi là-dedans. Ah mais c'est merveilleux, allez-y, lâchez-vous. Et là, nous avons la science, le réchauffement climatique. Mais c'est de la science-fiction. Le réchauffement climatique, c'est de la science-fiction j'ai un cousin germain, euh, maître de conférence en université, qui me soutient que oui, c'est démontré, que plus personne ne remet ça en question, mais il y a quantité de scientifiques qui remettent cela en question, car c'est ridicule, ridicule. Et alors, euh, euh, le plus beau, le, la cerise sur le gâteau, c'est le, le carbone Nouvel Hitler. Vous avez foi en cela, les amis et donc on vous impose de mener une existence décarbonée qui a de toute façon l'effet inverse du résultat attendu c'est-à-dire que au lieu de vivre sur une terre florissante vous vivez dans un désert de silice elle est belle, votre foi, elle est belle. Mais bon, voilà, je pourrais continuer à énumérer des certitudes de notre époque toute une journée. Et Dieu sait s'il y en a des camions entiers, des semi-remorques remplis. Et on ferait un, un convoi de semi-remorques remplis de ces certitudes en lesquelles il faudrait que nous ayons foi. Euh, ça ferait Paris, Marseille non-stop et encore même, je, je dis, le tour du monde. Vous y croyez vous, vous, vous adhérez au baratin du jeune Niné qui, qui de sa vie entière, n'a jamais ouvert un livre. Il a la foi en la, en la vaccination. De sa vie entière, jamais, il n'a ouvert un livre sur la question. D'ailleurs, les médecins généralistes euh, sont à peu près au même niveau de connaissance. On leur a dit, c'est la science, une science qui a un siècle, et eux, oh j'ai foi. Oh, oh, maître Lumière. Mais c'est fou. Donc ces certitudes sont les vôtres. Pourquoi Uniquement parce qu'un gars comme Pierre Ninet, euh, comme ce pseudo-acteur, ou de pseudo-philosophes comme Onfray, vous ont dit euh, que ne pas y croire, c'était, euh, allez, allons-y, se mettre en dehors de l'humanité. Chantage affectif. Et jamais, jamais, jamais sur une base de, de preuves absolues, de démonstrations fondamentales, ultimes. Jamais ça n'arrive, ça. J'attends en commentaire, j'attends, on va rigoler, on va rigoler si vous vous y risquez. Alors, par contre, euh, un miracle visible depuis des siècles, comme le suaire de Turin, ça, euh, non, vous n'y croyez pas. Et attention, hein, vous n'y croyez pas parce que euh, ce n'est pas <laughs> scientifique. Ah bah c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'état mental dans lequel est notre civilisation. Vous avez une vérité incritiquable, imparable, en, en béton armé. En acier trempé, en granit sous vos yeux depuis des siècles, ou la tilda, la tilda, la tilda de Guadeloupe, et des, 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 des choses comme ça en quelles vous pourriez porter euh, un élément de votre foi, car c'est pour vous amener à la foi en Christ, ça. On ne croit pas dans le suaire de Turin. On a un élément de preuve dans le suaire de Turin. Une vraie preuve scientifique, vraie. Et non, ça non. Mais vous préférez euh, adhérer au faribol euh, d'Aurélien de, de, barreau qui vient vous sortir. Ah, hein, mais je vais vous parler de la création de, de, de l'instant premier de l'univers. Alors il y aurait Dieu, hein, mais on va exclure Dieu car Dieu n'est pas scientifique. C'est pourtant le... Seul élément vraiment scientifique de tout votre baratin, les amis. Bon, c'est extraordinaire. Bon, je vous laisse, euh, j'ai envie de vous la remettre, la vidéo de Pierre Ninet, tellement ça vaut son pesant de cacahuète. Bon, si vous voulez la revoir, hein, vous revenez en arrière. Mais, mais franchement, pour croire, pour porter sa foi dans la science, il faut vraiment être débile. Allez, les amis, euh, Abonnez-vous, commentez et à demain peut-être.